Du travail bien fait apprécié à sa juste valeur. Toulou Taman, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. C'est là, précisément dans le champ de Etienne Sanou, que le chef du Parlement burkinabé, Alassane Balassakande, a décidé de faire immersion, visite guidée, pour toucher du doigt le travail des acteurs du monde rural, Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin-Paré. Reportage. Le président de l'Assemblée nationale au champ, Alassane Balassakande, récolte ici du piment dans l'exploitation de Etienne Sanou. Nous sommes à Toulou Taman, localité à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Sur ce périmètre agricole de 7,5 hectares, 4 spéculations ont été emblavées. Le piment, le maïs, le riz et le niébé. Et c'est avec fierté que le visiteur du jour dit être là. Et pour moi, venir pour échanger avec le monde paysan à travers la Chambre nationale d'agriculture et ne pas faire un tour pour regarder un peu comment se présentent aussi les cultures, bon, ce serait vraiment une mission inachevée. Donc pour moi, c'est comme j'aime l'utile à l'agréable, venir vivre, voir les réalités du terrain et puis comprendre des choses. Vous avez vu, on est venu regarder toute la chambre. On n'a même pas fait deux bonnes heures, mais il y a la sueur partout. Hein. Donc imaginez ce que ces braves paysans-là endurent pour nous nourrir. Vraiment, je voudrais féliciter M. Sanou Etienne pour ce que j'ai pu voir sur le terrain, parce que c'est quelque chose de fantastique. Ils ont juste besoin d'un accompagnement. Sentiment de joie pour le propriétaire du champ, pour qui cette visite du président de l'Assemblée nationale montre à quel point la question de l'agriculture est importante pour les autorités. Et c'est aussi l'occasion pour lui de lancer un cri de cœur. Je suis très content de la visite du président de l'Assemblée nationale dans mon champ. Cela témoigne d'un grand amour exprimé envers les agriculteurs en général et moi-même en particulier. Ici, nous sommes confrontés dans notre travail à un manque de forage. Lorsque les pluies s'arrêtent, on a un souci avec nos spéculations. Nous demandons aux autorités de nous aider à acquérir un forage. Alassane Balassakande, avant de quitter les lieux, encourage les producteurs de Toulou Taman à toujours travailler pour rehausser leur production. En attendant, le président de l'Assemblée nationale promet inviter Etienne Sanou l'année prochaine dans son champ pour un partage d'expérience.